c'était vraiment bien hier. Eh oui, se retrouver devant une caméra. Quel pied, hein? Je t'ai trouvé pas mal dans ton rôle. Ah, moi aussi. C'est vrai que tu m'as trouvé bien? Non, je me suis trouvée très bien. Toi aussi, t'étais pas mal. Ah, je préfère. Eh bien, je ne sais pas si t'es comme moi, mais j'aimerais bien devenir comédienne, moi. Je pense exactement comme toi. Oui. Bonjour. Ah, bonjour les filles. Bonjour. Ben, dis donc, ça a l'air d'aller aujourd'hui. Ah oui, très bien. Enfin, c'est grâce à vous, hein, et à toute votre équipe. Hein. C'est quand même le bout d'essai qu'on a tourné hier qui a convaincu Berdoulet de prendre ma série. Hein. Mais justement, on en parlait. Ça nous a vraiment plu de jouer à la comédie, hein. Ouais. Vraiment. En tout cas, merci encore. Hein. Sans vous, je sais pas comment j'aurais fait, moi. Ah, ça, c'est vrai, il m'en a parlé jusqu'à 2h du matin. Ah, ouais. Ouais, mais excuse-moi, ma chérie, mais je suis tellement content d'avoir convaincu Berdoulet. Et là, il peut plus changer d'avis. Ah, bah non, en principe, non. Non, quoique. Avec Berdoulet, je me méfie toujours, hein. Vous savez, il est capable de m'appeler dans une heure pour me dire que finalement il a réfléchi et que ça lui convient plus, hein. Non, mais arrête de t'angoisser, il n'y a aucune raison qu'il change d'avis, ta série est formidable. Merci ma série, ma chérie. Non, ma série, ma chérie, faut choisir, hein. Faut articuler. T'as raison. Bon, j'y vais. Allô? Oui? De la part de qui? Ne quittez pas. C'est monsieur Berdoulet. Berdoulet? Mais qu'est-ce qu'il me veut? Bah, je sais pas, vas-y, tu le sauras. Oui, t'as raison. Allô? Oui, bonjour, monsieur Berdoulet, oui. Comment? Bah, tout à fait, monsieur Berdoulet, oui. Oui, oui, bien sûr. D'accord, monsieur Berdoulet, oui. Eh ben, à tout à l'heure, monsieur Berdoulet. C'était Berdoulet. Il a changé d'avis? Il veut plus faire la série? Ça ne lui plaît plus? Ah non, 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 rassurez-vous, ça n'a rien à voir, ça lui plaît toujours, non? Oh. Ben alors, qu'est-ce qu'il voulait? Eh ben, il m'appelait parce que il a repéré des comédiens intéressants dans le pilote que je lui ai montré, alors il voudrait que je les lui présente pour leur faire passer un casting. Quoi? Eh oui. Mais c'est pas vrai? Une chaise. Non, mais qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas, les filles? Oui. Vous ne vous rendez pas compte? Les comédiennes de la série? C'était nous? Non mais, on va jouer dans la nouvelle série de Monsieur Jura. Mais c'est génial! On va devenir célèbre! Mais vous vous rendez pas compte? Vous êtes vraiment formidable! Non, attendez, moi j'y suis pour rien, moi j'ai rien fait! Si, c'est vous qui nous avez donné notre première chance! C'est grâce à vous! On n'oubliera jamais, jamais! Virginie, embrasse mieux que moi. Ça va, tu vas pas recommencer. J'ai embrassé Virginie parce que c'était écrit comme ça, le rôle était écrit comme ça, c'est tout. Réponds à ma question, et après on n'en parle plus. Bah, tu veux vraiment le savoir? Oui. Bah écoute, voilà, Virginie embrasse très très bien. Je dirais même que lorsqu'elle t'embrasse, c'est extraordinaire. Je suis sûr que si elle m'embrasse encore une fois, toi, je tomberai carrément amoureux d'elle. Arrête. Ouais. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Ça va, je plaisantais, je te faisais marcher, oh. Oui, bah c'est pas drôle. Attends, ça va. Je pourrais pas tomber amoureux de Virginie, de toute façon, c'est une amie. Tu comprends? C'est vrai, t'as pas pris de plaisir à l'embrasser? Ben non, évidemment que non, aucun plaisir. Ouais. Mmh. Oh non. J'arrive. Allez, c'est nous. Ouais, ouais. Bonjour. Salut, Sandra. On vous dérange pas? Bah si, mais bon. Vous ne devinerez jamais ce qui nous arrive. C'est tellement incroyable. Vous êtes amoureuse. Ah, non, mais quand on sera devenus des stars, on trouvera vite nos prêts charmants. Comment ça, devenus des stars? C'est quoi cette histoire-là? Devant vous, vous avez deux prochaines héroïnes de la série de Monsieur Girard. Prochaines héroïnes? Qu'est-ce que vous racontez, là? Eh bien, Monsieur Berdoulet a appelé Monsieur Girard ce matin pour nous dire que il nous avait repéré dans la série que... qu'on a tourné hier. C'est génial, non? On va devenir des comédiennes, vous vous rendez compte? Ouais, ouais, ouais. Non, mais attendez, comment Berdoulet a pu vous remarquer puisque vous aviez un tout petit rôle comme ça? Comment ça, un tout petit rôle comme ça? Mais, on arrivait à la cafette, on disait bonjour. Ah, ça avait l'air simple, mais c'était pas si simple que ça. Non, pas du tout. Et vous a remarqué là-dessus? Ah ben oui. Enfin, c'est pas
pas complètement certaine parce que ben, il a dit à Monsieur Girard qu'il avait remarqué deux comédiens sans lui dire qui c'était. Mais ça ne peut être que nous, hein. Ah ouais. Si c'était pas vous. Comment ça, si c'était pas nous? Bah oui, on a tous fait le bout d'essai, hein. Alors comme nous, on a plus de talent que vous, c'est peut-être Sandra et moi qui avons été repérés. Vraiment. Ah ouais. Remarque, il a peut-être apprécié la manière dont t'embrassais Virginie. Oh, ça va, attends, là, c'est sérieux. Peut-être devenir une star, moi, attends. Tu te rends compte, là? Grande star. Oh. Ah, dites-moi, j'imagine bien mon nom comme ça, en gros caractère en haut de l'affiche. Ouais, juste à côté du mien, tu vois. Ouais, tous les deux, là, comme ça. Choc. Ouais, c'est ça, regarde, rigolez. Laisse tomber. Ouais, on verra si vous rirez autant lorsqu'on sera devenus les coqueluches, on peut dire les coqueluches. Ouais. Et quand toutes les filles seront à nos pieds comme ça, à crier, hurler notre nom. Ouais. Oh. Ça va, on a encore le temps, je crois. Allez-y. Ouais. Je crois qu'il faut laisser parler, là. Qu'elles se moquent de nous, mais le jour où on sera aussi connus que Brad Pitt et Tom Cruise, elles se mordront les doigts, là. Aussi connus que qui? Ah, c'est malin, ça. Tu verras. Un jour. En attendant, nous, faut qu'on donne notre démission à Monsieur Laplace. Ah oui, ça faut qu'on y pense. Ouais. Mais écoute, on le fera ensemble. On va faire un petit truc. Hé, les mecs, redescendez sur terre un peu, là. On atterrit, là. Oh. Attendez, vous êtes négatives. Elles sont négatives, là. Elles vont nous mettre l'œil, hein. Attendez, on a bien réfléchi, ça peut être que nous, là. Salut la jeunesse, comment ça va? Bonjour. Salut. Allez, les jumelles nous ont appelé. On va devenir célèbres. Attendez, qui ça, on? Ah ben, Paul et moi. Ouais. Si. Bah attendez, c'est fabuleux. Cool. Figurez-vous qu'on a été repérés dans le pilote de Monsieur Girard. C'est trop fort. Ah ouais. Et qui vous a dit ça? Ah ben, les jumelles. Et il a repéré deux comédiens, je crois que c'est clair que c'est nous. Et Paul et Harry, on est terrible. Qui voulez-vous que ça soit d'autre? Ah. Hein? Ben, eux, ils pensent que c'est eux, là. Qui? Brad Pitt et Tom Cruise. Voilà. Ouais. Qui est Pitt et qui est Cruise? Non, attendez, les gars, vous avez aucune chance, là. C'est meilleur, ça t'entend ça? C'est fou, ça. Mais c'est vous qui avez aucune chance, regardez-vous là. Attendez, t'inquiète pas, mon polo, moi je suis sûr que Berdoulet voit en nous les nouveaux jeunes premiers, hop, de la télévision. Oui, les nouveaux jeunes comiques, genre Bob Pecho, Kermit et Peggy, là. Pas même déguisement. Et attends, Luc, c'est super important les rôles de comique. À fond, c'est même vital. Et on va passer tous les jours à la télé. Ouais, vraiment, un petit peu. Écoute, Virginie, on y va. Si je reste, je vais tout faire rire. Oui, Crousez. Ça va, hein? Au revoir, les vedettes. Désolé. Ouais, salut, ouais. Des Hé les gars, qu'est-ce que vous faites là? Il y a vos élèves qui attendent. Et toi, Harry, tu crois que le bar va s'ouvrir tout seul? Non, excuse-moi, tu me parles sur un autre ton. Je veux dire, à mon avis, t'es pas au courant là. Non, au courant de quoi? Au courant de quoi? Attends, t'as devant toi les futurs stars de la télévision là. Hey, t'es sûr que tu vas bien? C'est-à-dire qu'on a peut-être été sélectionnés pour la nouvelle série de M. Girard, ouais. Nous deux là. Non, quoi? Vous tous? Non, je viens de te dire. Vous deux? Juste deux personnes. Voilà. Enfin, c'est-à-dire nous deux. Non, nous deux. C'est génial ça. Et où est-ce qu'il faut s'inscrire pour être sélectionné? Parce que bon, il y a. Je pourrais peut-être. Ah, je crois que ça va pas être possible, Martial. Si t'avais pas pris ton jour de congé hier encore, ça aurait pu aller. T'aurais pu participer au pilote de M. Girard, mais là c'est. Hier? Oui. Oh non. Désolé, Martial, c'est dur la vie. T'étais où toi hier? Déjà. Mais il a fallu que j'accompagne ma sœur au train. Eh ben la prochaine fois, tu lui diras qu'elle prenne un taxi. Ça marche, ça. Dis-moi, en parlant de ça, tu peux me rendre un petit service de me tenir le bar, s'il te plaît, parce que j'ai plein de courses à faire. Hein? Bah non, c'est que là, moi, ça m'arrange. Si, pas. Puis je t'en voudrais ça quand je serai une star. Hein? Ouais. Allez, oh, Pete Cruz. Tu viens, Paul? Vas-y. Tu me trouves bien comme ça? Très bien. Et moi? Parfait. Pardon, pourrais-je avoir une limonade, s'il vous plaît? 2 minutes! Bonjour, je prends ce vernis, hein? Je voulais m'en mettre, moi. Oui, mais il me faut une deuxième couche, hein? Il nous a bien coiffé, quand même, ce petit Bruno. Au prix que ça coûtait, il pouvait, hein? Bah, écoute, c'est normal, il coiffe tous les grands vedettes de la télé. C'est vrai que je ressemble un peu à Sharon Stone, hein? Pas mal, c'est vrai. Et tu trouves pas qu'il m'a fait un peu à la Kim Basinger? Ouais. Pardon, ça vous dérangerait de me servir ma limonade? C'est pas encore ça que le vernis. Tenez. Servez-vous. Si. Vous ne pouvez pas le faire là-bas? Merci. Faut qu'on appelle Monsieur Alfredo pour lui dire qu'on démissionne. Ouais, t'as raison. Faudrait qu'il ait le temps de se retourner.
Salut les filles. Salut. Vous m'avez reconnu? Mais qu'est-ce qui vous arrive? Bah alors, comment vous nous trouvez? Et nous alors? Je sais pas, vous allez à un mariage, non? Ah, les bonnes, là. C'est malin, vous vous êtes regardés, vous. Ouais. Mais non, vous êtes super jolies, les filles. Merci. Toi aussi, Paul, t'es très chic comme ça. Oh, ah, tu vois, Harry, je te l'avais dit. Hey, on va voir un succès fou comme ça. Susan, tu trouves pas qu'il ressemble à James Bond? Voilà, c'est ça, c'est exactement ça, c'est James Bond. Ah ouais, d'accord, ouais. Malin. Ouais, sympa, hein. Dis-moi, tu t'es vu avec ta choucroute sur la tête, là? C'est pas mal non plus, hein. Elle est où, la saucisse? Bon, de toute façon, vous ne serez jamais prise pour cette série, alors vous avez gaspillé votre argent pour rien. Oh, mais attendez, c'est vous qui avez gaspillé l'argent pour rien, parce que Berdouli nous veut nous. Oh, mais n'importe quoi. Et puis quoi encore? Bon, attendez les filles, c'est l'évidence. Vous rêvez complètement, vous imaginez que ça va être vous. Mais attendez, forcément, c'est nous. Y'a pas photo? On va voir, ouais, nous. Ouais. Sans problème. Monsieur sans problème. Gérard, oh, alors ah, alors, monsieur Gérard, c'est nous, ça c'est clair, c'est nous. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Allez. Non, mais il m'a rien dit du tout. Comment ça, c'est pas possible, il a pas fait son choix? Non. Mais vous deviez pas aller le voir pour en discuter? Ah si, effectivement, mais j'y suis pas encore allé. Ah, d'accord. Ah ouais, bah, il fallait le dire tout de suite. Ouais. On n'avait pas laissé l'occasion. Excusez-nous, mais en vous voyant, on a cru que vous veniez pour nous annoncer que c'était nous. Ouais. Non, que c'était nous. Oui, non, je suis désolé. Ah bon. Qu'est-ce que vous faites là, alors? Ah ben, bah, justement, je suis juste venu prendre un petit café avant d'aller voir Berdoulet. Voilà. Ah ouais, d'accord. Ah. Ouais. C'est bon. Même si on n'a pas cours avant une heure, on sera plus tranquille pour discuter. Hein. Ça, c'est sûr, j'en pouvais plus à la salle de sport. Remarque, on aurait pu aller à la cafette. Ah non, merci. Pour assister à l'acte de scène 3 des jumelles, sans façon, merci. Ouais. Au fait, tu pourras remercier Roger de nous avoir fait faire ce pilote. Mm-hmm. Ah, salut les garçons, la tête qui passe plus les portes. Hein. Et les chevilles. Ouais. Et les chevilles. T'imagines s'ils sont pris? Oh, parle pas de malheur, arrête. On fera pas long feu. Hein. Je veux pas être méchante, mais j'espère qu'ils seront pas pris. Tu me l'as enlevé de la bouche, là. Dis-moi, Virginie, ça t'a rien fait d'embrasser Anthony pendant le tournage? Bah non, pourquoi? Bah maintenant, je peux te le dire, j'étais folle de jalousie. T'étais jalouse? Ouais. Bah arrête, c'est idiot, écoute, c'était un rôle, c'est tout. Ouais, je sais, mais bon, Anthony pourrait facilement tomber amoureux de toi. T'es tellement jolie et tellement sympa. Mais toi aussi, t'es jolie, Sandra. Merci, mais j'ai pas toujours été sympa. C'est l'histoire ancienne, ça. Mmh. Il tient beaucoup à toi, tu sais. Tu crois? J'en suis sûre, t'en doutes, toi? Tu sais, c'est la première fois que je suis vraiment heureuse avec quelqu'un. J'ai pas envie de le perdre, Anthony. T'as rien à craindre. Il tient vraiment à toi, tu sais. Tu sais que je t'adore, toi? Oui, je sais. On y va? Ouais. Vous savez devenir les nouvelles vedettes de la série télé? Quelle chance vous avez! C'est quoi cette histoire? Oh, ben on est au courant, tout le monde en parle! Vous voulez bien me signer l'autographe? Je vais être la première à la voir. Mais attendez, là. Allez, s'il te plaît! Toi aussi, Sandra, s'il te plaît, tiens! Moi aussi! Et disons une figurante, pensez à moi! Vous vous rendez compte, les filles, on est en train de côtoyer des futures stars! Oh, et si vous rencontrez Brad Pitt, vous lui parlerez de moi, hein? Mais c'est ridicule, c'est quoi cette histoire? Oh, ben soyez sympa, allez! Moi, là, on a des fois! Sandra! Moi aussi! Attends, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Gros bisous. Ah. Nicolas. Ouais. Enfin, méfiez-vous des fausses vedettes, quand même. Ne vous trompez pas sur la marchandise, les filles. J'ai toujours rêvé d'approcher une vedette de la télé. Ah. Bah profites-en, t'en as une à côté de toi. C'est que tu es très jolie comme ça. Oh, mais si. Est-ce que vous pouvez le dire plus fort pour que les garçons t'entendent? T'es très jolie comme ça. Plus fort, plus fort. T'es très jolie comme ça. Ah, mais si, hein. C'est normal, hein. Tu parles avec une future vedette de la télévision. Oui, enfin les seules vedettes ici, c'est nous. Excusez-moi. Je suis désolée les filles, mais aujourd'hui la cafette est ouverte uniquement aux garçons. Alors, si vous voulez voir vos vedettes, vous pouvez les voir dehors. Allez. Au revoir. Merci. Merci, c'est gentil.
Oh, oh, les filles, vous avez pas le droit de faire ça, hein. On a tous les doigts ici. Ah bon, d'où? Et messieurs, excusez-moi de vous déranger, mais je vous ai pas dit que je connaissais Pamela Anderson. Oh, oh, allez, 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 allez. Mais c'est pas vrai, les garçons. Aïe, aïe. Oh, non, mais... Eh, œil pour œil, dent pour dent, hein. Eh ben... On va dire aux filles qu'on est des cousines de Tom Cruise. Bonne idée. C'est quoi ce semblement dehors là, hein? Oh, c'est Harry et Paul qui ont fait quoi? Qui connaissent pas Pamela Anderson pour nous voler la vedette. Ils sont tous jaloux parce que nous on va être prises pour la seule. Pardon ça, Anthony. Ah, écoutez, les filles, pour vous rendre à l'évidence, il y en a deux qui doivent être prises sur cette série, c'est nous. Ni Paul, ni Harry, et encore moins vous. Ah, oh, vraiment? Et c'est qui vous l'a dit? C'est monsieur Berdoulet, c'est ça? Mais il a pas besoin de nous le dire, ça crève les yeux, c'est évident, ça coupe les sourds. Ah. Allez, mais c'est nous! C'est Pamela qui les met dans cette étape? Non, non, c'est Harry, il a eu la bonne idée de dire qu'il était le frère de David Charmer. Ah oui, bah oui. C'est monsieur Girard! Attention! On vous aime! Oh non! Ouais, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est l'émeute là! Je peux avoir un verre d'eau, les filles? Tout de suite, oui! Attendez, Oh, silence, s'il vous plaît! C'est à cause de vous, ça, de votre série! Depuis qu'ils savent qu'on va jouer dans votre série, ils sont tous fous! Bon, allez, monsieur Girard, dites-nous qui a été sélectionné parce que nous, on n'en peut plus là! Allez! Monsieur Berdoulet, qu'est-ce que vous a dit? Il vous a dit que c'était nous! Attendez, je peux avoir mon verre d'eau? Alors? Alors? Attention, souvent! Oui, bah oui, bah. Venez! Excusez-moi. Merci. Attendez. Bon, écoute. Tant qu'à faire. Ouais, tant qu'à faire. Ouais, t'as pas une épaulette, une deuxième. Ouais, écoutez, monsieur Girard. Bon, alors, c'est nous, hein? C'est nous. Je suis désolé, garçon, non, mais. C'est pas vous, c'est les filles qui ont été choisies. Yes! Hein? C'est pas possible, attendez. Non! Bah, c'est pas possible. Comment ça? On va devenir des vedettes. Oh, super! Attendez, les filles. Non, non, il y a un petit malentendu. Ce sont des filles qui ont été choisies, effectivement, mais. C'est pas vous deux, c'est Virginie et Sandra. Bon, vous allez nous faire la tête encore longtemps, les mecs, là? Quoi, la tête? Tu fais pas la tête, tu fais la tête, toi, Luc? Non, pas la tête. Toi, tu fais la tête? Bien sûr que non. Ah, vous voyez, les filles, on fait pas la tête, alors bon, ça va, là, chez nous. Oh là là, ils sont bons comédiens. Hein. Ils auraient dû être pris pour le rôle, je trouve. Vous avez la chance, les filles. Vous êtes contentes, au moins? Follement. En tout cas, moi j'étais persuadée que Sandra deviendrait une vedette. Merci, Paul. Oh là là, il est tard, moi, faut que j'aille rejoindre mon pote Jacques pour lui rendre mon smoking, enfin, ouais. Enfin, de ce qu'il en reste, quoi. Bien? Ouais, ouais. Dis-moi, Sandra, je voulais te poser une question. Ouais. Bah, même si tu deviens une vedette, tu continueras à me parler, enfin, tout ça. Oh, dis pas de bêtises. J'ai pas envie d'être comédienne. Hein. Moi non plus, d'ailleurs. Quoi? Oui, vous avez bien entendu, oui. Mais vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez? Mais si, on s'en rend compte, mais on est heureuse comme on est, c'est tout. On a nos amis, nos copains, on a tout ce qu'il faut ici. Et ça vous suffit? Largement. Enfin, on ira au casting pour que Roger ait pas de problème et on n'a pas l'intention d'accepter les rôles. C'est beau, l'amour. Magnifique. Mmh.